Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, deuxième vidéo sur Flight Simulator. On part de l'aéroport de Laval, on rejoint l'aéroport de Granville pour aller chez mon cher ami Serge Herbin, donc le speaker des courses au large pour ceux qui le connaissent, qui habite dans le coin. Je sais plus trop le nom de son village, mais on va le survoler, je pense, parce que je crois qu'il habite au bord de la mer, donc on va survoler. Et donc voilà, on va partir de Laval, il y a 67 000, donc ça va aller assez vite. Et donc voilà, bah on va partir dans notre avion. Le frein de parc est serré, on a 100% de fuel, tout est bon. Je vais desserrer le frein de parc. Voilà. Je mets les gaz. Et c'est parti! Et donc on quitte Laval de Kiladi et de Makiki et de Yoshi. Et de mon Yoshi. Mes deux amis streamers. Enfin, si je sais pas que en ami streamer, hein. J'ai aussi Simtrain par exemple. Mais voilà, mes deux premiers amis streamers. Les deux premières personnes, deux premiers amis dans les streams que je me suis fait. Et maintenant on va. Vers un ami que je connais depuis beaucoup plus longtemps que Yoshi et Kiki, puisque je le connais depuis depuis 2009 en fait, depuis la première fois que je suis allé sur un départ de course au large. Hop, c'est bon et on peut commencer à tourner. Donc là on va avoir des magnifiques images de coucher de soleil. Alors j'ai hésité à laisser à passer en jour parce que du coup on est en stream, hein. J'ai hésité à mettre le jour, à mettre plein jour, mais je me suis dit, de toute façon, même le Mont-Saint-Michel de nuit, c'est magnifique aussi, donc au pire, c'est pas très grave. Et juste les couchers de soleil, vous savez que je suis un fan de couchers de soleil. Je suis un grand fan de couchers de soleil. Et donc, du coup, c'est pas si grave que ça, quoi. Hop, allez, c'est parti, direction le Mont-Saint-Michel, qui est bien évidemment normand. J'espère qu'il y a... il y a des Bretons, oui, je crois qu'il y a des Bretons dans le coin. Sur mon chat, je suis désolé, il y a des Bretons, je sais. Mais il faut se rendre à l'évidence, le Mont-Saint-Michel est normand. Hein. Il est à nous, voilà. Et voilà, le décollage s'est très bien passé. Et nous sommes repartis. Du coup, c'est le YouTube, du coup, vous le savez pas, mais c'est le deuxième vol que je fais aujourd'hui, là. C'est mon deuxième vol, donc je commence à avoir des heures de vol, ça commence à venir tout doucement. Et voilà, et c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. On va faire une petite vue extérieure. Allez, petite vue extérieure. Maintenant qu'on est parti. Hop, on va juste faire des petits screens. Avec le soleil couchant. Attendez, hop. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est beau! Alors qu'on quitte Laval derrière nous. Voilà, la jolie ville de Laval. Je vous conseille, si un jour vous avez. Ah bah en fait, non, elle est là. C'est là, Laval. Si un jour vous avez l'occasion d'y aller dans cette ville, c'est assez joli. C'est assez joli. Hop, on va re-rentrer dans notre avion. C'est assez joli, il y a un très beau château, il y a un très beau... Enfin, c'est très joli, quoi. Bon, il y a un truc qui est assez drôle, c'est sur les hauteurs de Laval, vous avez un peu comme à Hollywood, ils ont fait un peu le même système. Sauf qu'en fait, si vous, Laval, vous pouvez le lire dans les deux sens. Donc en fait, ils ont mis un L d'un côté, un autre L de l'autre. Et donc du coup, en fait, n'importe quel sens où tu le vois, tu peux le lire en fait. Tu peux lire Laval en fait. Je sais plus comment ça s'appelle ça en français, mais en gros, on peut le lire dans les deux sens, quoi. Et donc ça se voit de presque tout Laval. Hein. Le truc, il se voit de presque tout Laval. Aïe aïe, qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau!
Le mont qui est déjà plus qu'à 42 000, hein, ça va aller vite. On va arriver vite au Mont Saint-Michel. On voit des petits nuages là, on est au niveau des premiers petits nuages, j'ai l'impression. Mais il n'y a vraiment pas grand-chose quoi. Je suis vraiment. Je suis dithyrambique sur ce jeu, mais je pense que vous. Pour ceux qui y jouent, si vous êtes quelques-uns là à y jouer aussi, vous êtes peut-être vous dire. Ouais, mais il a l'air vraiment. Il en fait trop quoi. Oui, j'en fais peut-être trop, mais vraiment, j'adore ce jeu en fait. C'est. Voilà. C'est compliqué à expliquer en fait. C'est compliqué à expliquer, mais j'adore ce jeu. Après voilà, j'adore ce qu'elle est, j'adore les voyages et tout, donc en fait c'est sûrement pour ça je pense. Hein. Et ce côté ultra réaliste en fait des paysages machin, alors pour l'instant moi je suis pas en ultra réaliste au niveau du pilotage, mais c'est l'objectif plus tard de monter de plus en plus réaliste. Mais au niveau du paysage, c'est tellement réaliste que. Brest centre. Ok. Donc là normalement ça va contacter tout seul. Normalement ça contacte tout seul. Hein. Normalement ça je le gère pas. Bon, ça va se faire. Hop. On verra si on fait le vol suivant après. Pour ceux qui sont sur Twitch actuellement là. On verra si on fait le vol suivant après. On va voir en fonction de l'heure à laquelle on va arriver. Je crois que le vol d'après, ce sera pas un vol très long non plus. C'est Mont-Saint-Michel, Quiberon. Donc on verra. Mont-Saint-Michel, Quiberon, c'est pas trop long. Donc peut-être qu'on sera ça. Mais on le fera pas de nuit. Je pense qu'on mettra le jour. On mettra le jour pour voir un peu parce que sinon vous verrez pas les paysages. Et... Ah, de nuit c'est super joli, hein. Vraiment de nuit le jeu est magnifique, on est d'accord. Ou alors on fera un autre vol au pire. On fera un autre vol ailleurs pour vous montrer un peu ce que ça donne de nuit. Mais en tout cas YouTube, n'hésitez pas à venir sur Twitch hein, pour voir les vols en direct. Comme ça on peut papoter en même temps. Seule chose que je demande c'est de pas faire de bêtises quand j'atterris quoi. Quand je fais mes atterrissages, ne pas me distraire de trop, quoi. Mais sinon... Mais sinon, c'est un plaisir. Sinon, c'est un plaisir. Alors qu'on vole à 125 nœuds, la vitesse de croiseur de l'avion. Hein, c'est la vitesse max de l'avion. Même si en vrai il n'y a pas une énorme distance à parcourir, mais on peut rester comme ça, il n'y a pas de souci. Alors qu'on va, je crois, croiser un petit nuage devant là. Je sais pas si c'est un reflet ou un nuage. Un petit nuage. C'est vrai que j'ai pas activé le. Alors, comme il y a un peu d'humidité. Hop. Alors, c'est où? Étalonnage altimètre. Ah. Activé. Parfait. Vu qu'on croise des petits nuages et qu'il fait nuit, donc ça va commencer à se rafraîchir, on va activer le réchauffage des sons de pitot comme ça. Comme ça, on est sûr. Ah, l'ATC. Contacter Rennes. Et parce que du coup, on passe juste au sud de. On passe au sud ou au nord de Rennes d'ailleurs.
J'ai pas regardé si on passait au nord ou au sud de Rennes. De toute façon, on va passer au-dessus. Hein. J'ai pas regardé où est-ce qu'était Rennes quand on a créé la route. Et level up pour Xylan, stagiaire grand club, level 17 pour voir top ton level up. Xylan, pardon. Je sais pas pourquoi je l'ai dit avec un accent anglais. Xylan. Xylan, pardon. Donc là, on a contacté Rennes. Et là-bas, je vois de l'eau. J'ai l'impression de voir de l'eau dans le fond. Je pense qu'on est déjà en train d'approcher le mont, je pense. Alors, on est à 27 000, mais... Ouais, 27 000, en vrai, c'est pas déconnant, vu l'altitude. Enfin, on a combien? On a 3300 pieds. Ouais, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Fais une petite vue extérieure, peut-être. Hop. La chapelle Janson. Ah, il y a des petits nuages quand même. Hein. Bon, c'est pas grand chose, mais. Alors, je vais regarder Saint-Pierre-des-Landes. Est-ce qu'on est au nord ou au sud de. Je vais regarder où est-ce qu'on est au nord ou au sud de. De Rennes. Hop, donc Google Earth. Quand c'est comme ça, Google Earth est ton ami. Saint-Pierre-des-Landes. Hop. Ah ouais, on passe largement au nord de Rennes en fait. C'est bizarre, je voyais Rennes un peu plus nord que ça. Je voyais Rennes un peu plus nord que ça, mais non. En fait, si on avait voulu aller passer au-dessus de Rennes, il aurait fallu Rennes, on aurait passé au-dessus de Rennes si on avait pris la route de Brest, je pense, à peu près. À peu près, je pense. J'ai réduit un peu les gaz. Ça sert à rien d'aller au-dessus. En fait, je commence à aussi essayer de gérer ma. De gérer ici et de pas être tout le temps dans le rouge. Parce que plus tard, ce sera un peu l'objectif, quoi. Et donc, du coup, je fais attention, quoi. J'essaie de faire attention. Même si là, du coup, ça fait descendre un peu l'avion. Après, on est quand même à 120 nœuds, hein, c'est pas mal. On va re-rentrer à l'intérieur. On va essayer au pire des cas pour éviter de trop descendre. De mettre un peu. De cabrer un petit peu comme ça. Hop. Ah, ça a l'air d'aller. Ouais, il a l'air d'y aller là. C'est bien. Ah, non, il redescend. C'est chiant qu'il arrive. Il a du mal à. Ah, et maintenant il monte de trop. Voilà. Parfait. Ah non, maintenant il va redescendre. C'est un peu compliqué à régler ça quand même. Le compensateur de tangage est un peu compliqué à régler. J'ai encore un peu de mal avec ça, mais bon. Je vais m'y faire petit à petit. Voilà. Regardez-moi ça. Oh, les lumières commencent à s'allumer. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est beau. Regardez, on voit les lumières qui commencent à s'allumer de place en place. Aïe, aïe, cette beauté, quoi. Vraiment cette beauté, quoi. Voilà, on commence à descendre, mais en vrai, c'est pas gênant vu qu'après on veut aller...
On va vouloir aller voir le mont quand même. Brest. Non, on n'arrête pas de passer entre les deux quoi. Tout à l'heure on était sur Rennes, là on repasse sur Brest. Ok. Faut que je continue comme prévu quoi. De toute façon là, y a rien de compliqué. Et on arrive au niveau de la merveille. On arrive au niveau de la merveille. Le Mont Saint-Michel. En Basse-Normandie. Alors on le voit au loin là-bas. On va descendre un peu en altitude. Alors pour descendre en altitude, moi j'ai ma technique. On va économiser du carburant. On va planer un petit peu. Quoi? Brest centre, altimètre, continuer comme prévu. Hein? Ouais, à mon avis, on est en train de naviguer entre. Ah, on est plus qu'à 66. Par contre, là, je vais décrocher si je continue mes conneries. À mon avis, on est en train de voler pile poil entre deux zones. Et à mon avis, c'est pour ça que ça n'arrête pas de. Ça n'arrête pas d'appeler quoi. Alors, est-ce que la mer. Alors, je sais, j'ai pas encore vu de vol sur Flight Simulator au-dessus du Mont Saint-Michel, donc je sais pas s'il est beau dans le jeu. On va voir ça. On va descendre comme si on se posait, hein, mais on va pas se poser, bien évidemment. J'ai pas un hydravion. J'ai pas encore testé l'hydravion d'ailleurs. J'ai pas encore testé, je sais pas si c'est rigolo ou si ça marche bien ou pas. Enfin, je teste un jour. Mais je testerai en off avant. Pas envie de me ridiculiser. Mais en tout cas, j'espère que ça vous plaît ce premier stream sur Flight. Il y en aura beaucoup, hein, je pense. Ah, je vais essayer de me limiter à un par semaine. Coucou mon Simtrain, comment tu vas? Y'a pas de soucis, Simtrain. Y'a aucun souci, t'inquiète pas. On est sur la deuxième étape du Tour de France des Amis, là. On a déjà fait un vol Yvetot-Laval. Et là, on est en train de faire Laval-Granville. Et on va frôler, on va aller passer juste au-dessus du Mont-Saint-Michel. C'est pour ça que je descends en altitude, là. Mais c'est pas grave, Simtrain. De toute façon, c'est ce que je suis en train de dire. C'est qu'il va falloir que je me limite. Pour pas en faire plus d'un par semaine. Je suis in love de ce jeu, vraiment. Je suis in love de ce jeu. Il est presque. Et là, c'est grave ce que j'ai dit. Dans mon cœur, il est au niveau. Il est au niveau de. Moi, j'ai pas mal géré avec le CRJ. D'accord. Il est presque au niveau de Sailaway pour moi. Dans mon cœur. Hein. Au niveau graphisme, il est bien au-dessus de Sailaway. Mais dans mon cœur à moi, parce que bon, Sailaway c'est ma passion, c'est la voile. Mais dans mon cœur, il est au niveau de Sailaway, tu vois. Presque au niveau. Enfin, il est au niveau de Sailaway. J'ai pas envie de le placer par-dessus Sailaway parce que bah, Sailaway, voilà. C'est de la voile et j'adore la voile. Mais cette impression de voyage que j'ai avec ce jeu, elle vaut tout l'or du monde, quoi. Elle vaut tout l'or du monde.
Re-atterri. Et là, on est en approche de la merveille. Faudra qu'on vole ensemble alors. Eh bah carrément, carrément, va falloir qu'on vole ensemble. Bon, attendez, je vais juste faire une vue extérieure pour le passage de la merveille quand même. Mais je vais même le mettre en pause pour faire un screen. Oh, attendez, déjà là. Déjà là, hop. Pour passer la merveille normande. Désolé les Bretons, c'est facile. Elle était facile celle-là. Elle était facile celle-là. On va continuer à descendre à moins de 1000 pieds. Je veux vraiment le voir de près en fait. Là à gauche on voit l'histoire de la du Quénon avec le barrage. Oh, il est trop beau. Il est trop beau. Non mais c'est une putain de tuerie. C'est une tuerie. Oh, j'ai des frissons. Non mais j'ai des frissons les gens. Granville. On va à Granville. J'ai des frissons. C'est une... On va à Granville, toi à 16 000 là encore, après. Crache-toi dessus. Non! Tu me donneras le pseudo Xbox Live pour que je t'ajoute. Toria 76. Voilà, pas compliqué. Oh là là, cette beauté. Bah Tori, il gâche pas le moment magnifique là. Regarde-moi ça. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe. Crache-toi, non. Mais attendez les gens, je sais hein, un avion qui vole sur place comme ça c'est pas réaliste, mais je suis obligé de faire des screens. Ça sera la miniature YouTube hein, clairement. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je sais, c'est beaucoup de oh là là, mais ouais, je sais, j'arrive à conduire en regardant derrière. Allez, direction Granville maintenant. Ouais, par contre, là, je perds beaucoup de vitesse, là. On va retourner à l'intérieur. Hop. On va mettre un peu de gaz. Et on part vers... On part vers Granville. Oula, j'y vais un peu fort là. J'y vais un peu fort. Non, ça va. Et donc, on est de retour en Normandie. Tout à l'heure, on avait quitté la Normandie pour aller à Laval. Pour Yoshi et Kiladi. Et là, on va... Donc, en fait, Simtrain, pour t'expliquer le truc qu'on fait. Ah ouais, 70 nœuds, s'envoler. Faut commencer à s'inquiéter sur cet avion. En croisière, c'est autour de 100.
Ah ouais, non, mais je suis un peu fou des fois. Je suis un petit peu fou des fois. Bah là, je suis à 108, tu vois, je suis pas mal là. Quelle phrase, épisode, je conduis à l'envers? Je pilote à l'envers, oui, pardon. Je pilote à l'envers, pardon. Mais du coup, oui, pour t'expliquer, Simtrain, en fait, je fais le tour de France des amis. Le truc, c'est faire sonner l'avertisseur de décrochage sans décrocher. C'est ça. En gros, je fais le tour de France des amis. Ah voilà, attends, je suis dans le rouge là, niveau. Voilà. Je faisais clignoter le. T'inquiète, pas virer fort, c'est davantage à partir de 45 degrés. Ok. Donc, oui, Simtra, je fais le tour de France des amis. Donc, en fait, je suis parti de chez moi, donc de Yvetot, de l'aéroport le plus proche, un petit aérodrome le plus proche. Et donc, on a fait Laval pour Yoshi et Kiladi. Là, je fais Granville pour mon ami Serge Herbin. Ensuite, je vais faire. Merde. Comment ça s'appelle? Quiberon pour mon ami Jimmy Parrain, donc le député. Ensuite, je vais aller à Sable-d'Olonne. On se demande bien pour qui. Ensuite, je vais aller à La Rochelle pour Wilfried. Ensuite, je vais aller dans le Var pour Hattori. Là, d'ailleurs, on arrive sur Granville. Hein. On arrive tranquillement sur Granville. T'inquiète, pas virer. Oui, ça j'ai déjà lu. Ensuite, là-bas, on voit la pointe de Granville d'ailleurs. On voit la pointe de Granville. Ensuite, je vais aller à Lyon pour Transpotter. Après, je vais aller du côté d'Annecy pour toi. Et ensuite, je vais aller à Colmar pour une cousine à moi. Et après, je ferai Colmar Ifto pour finir la boucle. Donc voilà. Voilà le petit tour de France que je vais faire. Que je vais faire. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça le tour de France des copains. Parce que je vais. Enfin, copains et famille aussi, du coup. Parce qu'il y a ma cousine. Puisque je vais faire un tour de France. En passant tous les endroits où j'ai des gens que j'apprécie qui vivent. Voilà, normalement on va aller se placer. Faut que je regarde dans quel. Je crois que la piste elle est directement quand tu arrives de la mer. Moi je suis toujours au Castellet pour le moment. D'accord. Bah hier j'ai fait un atterrissage de nuit au Castellet. Mais il faudra que je remonte vers le nord. D'accord. Ah non, pas au Castellet. Au Bourget, pardon. Hier j'ai fait un atterrissage de nuit au Bourget. Mais non, au Castellet non. J'ai confondu. J'ai fait un atterrissage de nuit au Bourget. C'est fou déjà le Castellet, c'est bien le circuit. Ouais. Depuis la mer, tu devrais trouver le terrain de toute façon. Tu as les aides. Oui, oui. Mais normalement, le terrain, il est on a un atterrissage au 6, donc normalement. C'est un 0,6, donc au 60. Normalement, donc on devrait être bon. La piste, je crois que je la vois, je crois. Je retourne. Ça marche, Hattori. À toutes. Par contre, il va falloir, je pense, à mettre les volets. Alors. Je vais virer ça. Ah, dégage-toi. Voilà. Parce que mes volets sont là. On va faire un. Je vais faire un premier vol. T'as mis celle dégagée? Non, c'est celle qui est comme ça en vrai. Non, non, je suis en météo réel. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un vol de reco. Je vais faire un vol de reco au-dessus de la piste. Pour voir un peu comment on est, voir s'il y a un repère. Perds un peu de vitesse et sort ton premier écran vers 90. Ouais, mais en fait, je vais faire. Ah, quoique. Ouais, ça y est, je la vois la piste. Je crois que je vois la piste.
Oula, il bouge. Il bouge, il bouge, il bouge. Je sais pas si c'est... Alors, il y avait une éolienne en dessous. Je sais pas si c'est l'éolienne qui a fait bouger comme ça. Bah, techniquement, ça serait pas impossible vu que ça remue de l'air. Enfin, ça remue de l'air, donc en vrai, techniquement, c'est pas impossible. Je suis à 105 nœuds là actuellement. Ok, elle est où là? Est-ce que c'est la piste que je vois là? Ok, je vois la piste. Ok, donc c'est comme ça, ok. Ouais, en fait le bord de la piste est juste devant moi là. Donc il faut que je fasse... On va faire demi-tour. On va partir vers le large. Et on va revenir. Il va falloir commencer à ralentir et sortir les volets si tu veux y aller. Non mais ça y est, j'ai vu la piste et en fait elle est vraiment... Elle est quasiment à la perpendiculaire de la mer. Donc moi il va falloir que je me mette... dans l'autre, faut que j'aille un peu par là. Hop. Oui, ce sera moins à l'arrache si tu repars un peu au large. Ouais, je préfère faire ça comme ça. En fait, j'aime bien faire un... C'est un peu comme en bateau, en fait. C'est un peu comme en bateau. Tu fais un premier passage pour aller voir... tu fais un premier passage pour aller voir comment ça se passe. Comment c'est foutu et tout. Et après, tu fais un deuxième passage pour aller te poser. Normalement, il fallait passer à la verticale et intégrer le circuit d'aéroport. Mais tu verras ça plus tard. Ouais, pour l'instant, je me complique pas trop la vie. Hein. Pour l'instant, je fais en mode simple. Dans l'idée, c'est ça surtout quand il n'y a pas de tour. Mais en fait, en bateau, c'est pareil. Là, je suis à 85 nœuds, faut que je fasse attention. En bateau, c'est pareil, en fait. Quand on rentre dans un port qu'on connaît pas, on va d'abord dans le port, on fait un tour pour voir la place qu'on va prendre. Ensuite, on repart dans une zone large, on met les amarres et ensuite on va s'amarrer quoi. Et ensuite on va se poser. Enfin, s'amarrer quoi. Donc je fais un peu, j'applique un peu ça à l'avion. On fait un passage au-dessus, on regarde comment c'est foutu et ensuite on se pose. Ah, mais par contre, là, si je commence à plus voir le vol. Ah putain, faut que je tourne fort là. Premier cran de volée, c'est pas encore fait. Ah non, non, qu'est-ce que je fais là? Oh là, je suis en altitude négatif. Attends. Ouah, attends, mais je suis super bas. J'ai fait de la merde. Trop raide, trop rapide. Ouais, bah ouais. Voilà. Ah, on voit la piste là. 50 pieds. Ouais, ouais, non, mais là, j'ai eu chaud là. No stress. Voilà, 90, un cran de volée. Ah non. Voilà, 10%. Ouais, 12%, ça va être bien. Les volets, voilà, j'ai mis 12% de volée. Attends, c'est mon deuxième atterrissage de nuit, donc ça risque d'être un peu folklore. Hein. Ouais, je tombe là, je tombe, j'ai l'impression. Euh, 80 la descente, vers 65, 70 le toucher. Ouais, bah c'est à peu près ce que je fais, à chaque fois. Je suis peut-être un peu haut. J'en ai un petit coup de gaz pour tenir la vitesse. 75 actuellement. J'ai les mains super moites. Hein. Oui, j'ai mis les volets. J'ai mis les volets, le jeu. Me stresse pas. 70. Ah, je suis en travers. No stress, no stress, no stress. Stress pas, Nico. 67.
Ah yes, 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 yes. Vous pouvez pas voir, mais j'ai les mains très brillantes. Ah là là. Bon, la descente était mouvementée. Ouais, mais en fait j'étais un peu en travers. J'étais un petit peu en travers sur la fin et c'était un peu compliqué. Mais bon. Ok, maintenant faut que je trouve la sortie à aller plus loin. Ah la vache. Voler, faut mettre tout. Ok. À droite après, ce que j'ai vu sur la carte. Ouais, bah ce que je vois aussi sur la carte, c'est à droite après. Je vais attendre de voir la ligne jaune. Ah voilà, elle est là, la ligne jaune. Alors j'évite de... Ah par contre, on n'y voit rien. Ah merde, je suis dans l'herbe. Non, c'est... Oh là, j'ai évité de justesse. Non, je suis un peu dans l'herbe. Bon. Il a un peu de mal, mon... Faut tout sortir. Ah ouais, j'avais pas tout sorti, moi. J'ai sorti un cran de volet. Enfin, j'ai mis 10%. Lima Foxtrot, Oscar Victor Traffic Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra Alpha is clear of the runway. Lima Foxtrot, Oscar Victor Traffic Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra. Non, mais après là, j'y vois. Piste dégagée, ouais, c'est bon. Non, pas choisir une piste pour décoller. Lima Foxtrot, Oscar Victor Traffic Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra Alpha is clear of the runway. Ok, il n'y a pas de... Non, il n'y a rien d'autre, donc on va aller se poser où on peut. Attends, je vais peut-être... Au pire, t'embêtes pas trop avec la radio. C'est en auto, info, sur ce terrain, de toute façon. Oui, après... Alors je fais super gaffe parce qu'il a une fâcheuse tendance quand je roule comme ça. Il a une fâcheuse tendance à tirer d'un côté et après à pas être récupérable. C'est super chiant. Et je comprends pas trop pourquoi pour l'instant. Alors je sais pas si c'est un problème avec mon stick, j'en sais rien. Pourtant il est tout neuf hein, donc normalement l'effet de coupe du moteur, je pense. D'accord. Allez. Donc je donne des tout petits à coups. Il faut vraiment rouler doucement. Bah ouais, c'est pour ça, mais je donne des... En fait, je suis obligé de donner des petits à coups. Je donne des petits à coups de moteur et après je recoupe en fait pour rouler sur mon air. On va se garer là. Il y a une place là. Hop. Voilà. Hop. Donc, checklist. Attends, elle est où la checklist déjà? Checklist. Ok. Ah, mais là, il me dit avant l'atterrissage, sécurisation. Descente. Non. Non, bah, c'est pas grave. On va faire. On va faire l'extinction comme je l'ai fait, donc on va couper sécurisation, checklist, hop, donc sécurisation, inspection, démarrage moteur, roulage, sécurisation, ok. Ah mais là du coup en fait il me dit... Aire de stationnement, pardon. Ok, voilà. Frein de parc.
Normalement, il y est là. Ah, il est là sur cet avion, d'accord, ok. Frein de parc activé, c'est fait. Réglé. Ensuite. Interrupteur avionique. Voilà. Ok. Normalement, c'est bon. Ensuite, ralenti moteur. Il me dit combien? Tirer complètement, ça met des gaz et vérifier que le moteur tourne au ralenti entre 600 et 650 tours par minute. Alors attends, sur cet avion-là, c'est où déjà? Ah là, du coup, elle tire à fond. Et les tours par minute. Sur... Ah bah, oui, non, c'est là-haut. Ah bah merde, non, mais attends, j'ai éteint l'avionique. Ah bah, c'est. Non, c'est là, voilà. 660, c'est très bien. Ah non, il m'a dit entre 600 et 650 et moi je fais 660. Donc là, normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Du coup. T'es pas à 10 tours, ouais. Magnéto. Compléter. Alors, le magnéto, c'est où? Non, ça c'est les interrupteurs, batterie de secours. C'est la clé. Alors, elle est où elle? Attends. Ah voilà, bah oui, en fait, il peut me la montrer. Ah voilà, elle est là. Ok. C'est coupé. Mélange. On appauvrit, coupé. Et après, du coup, sécurisation. Alors, hop, on va quand même redézoomer un peu. Alors, les feux. Désactiver. Désactiver. Ah tiens, tu coupes les magnétos avant d'appauvrir. Bah ouais, mais il me l'a mis en plus haut. J'aurais dû... Oui, je sais, j'aurais dû appauvrir avant, je sais. Bah voilà, c'est un truc que j'apprends maintenant. J'apprends du coup. Voilà. Alors, secteur de... Ah attends. Allumage. Ah non, mais je l'ai éteint. L'avionique... à éteindre aussi. Ah oui. Attends, celui-là, il faut que j'arrive à... Faut que je trouve où est-ce que c'est déjà. Phare d'atterrissage. Attends. Interrupteur de l'avionique. Normalement, il veut que tu fasses un test d'arrêt clé sur off, puis boss, je pense. Ensuite, tu appauvris et tu mets clé sur off. Enfin, je pense que c'est comme ça, perso. Ok. Mais du coup, là... Là, maintenant, je suis sur sécurisation. Bon, on va faire compléter automatiquement. Hop. Voilà. Mais faudra que je regarde ça en... tranquillement en off. Mais voilà. On a posé notre avion à Granville. Attends. Il fait nuit. Voilà, on se remet comme ça. Merde. Les deux boutons blancs, l'avionique. Ok, bah, les deux boutons blancs, tu m'as dit?
Ok, c'est... Ah, ces deux-là, ok. D'accord. Bah, la prochaine fois, je le saurai. La prochaine fois, je le saurai. Mais du coup, YouTube, c'était la fin de ce deuxième vol, de ce deuxième étape du Tour de France. Du Tour de France des copains. On se retrouvera la prochaine fois pour le prochain vol. Qui sera en direction du coup de Quiberon. Des gros bisous YouTube, à la prochaine. Ciao YouTube!